Et salut tout le monde, c'est Jérém, on se retrouve pour le 14e épisode d'Evoland 2. Pour moi c'est la 3e session de gameplay tout simplement, je me suis arrêté, pause déjeuner. Et voilà, là je me sens mieux, j'ai mangé, j'ai bu mon petit café, ça fait du bien. Et du coup on est reparti pour à peu près 2 heures je crois. Une session de 2 heures et on reprendra ce soir. Ah ouais c'est ça, 2 heures de jeu et puis voilà. Donc on s'était arrêté dans la mine où on était dans un dédale de wagonnets avec des bombes, avec beaucoup de choses. On avait explosé le rocher qu'on voit là derrière avec de la dynamite. Bon malheureusement vu que je reprends la sauvegarde, bah forcément ça n'y est plus. Et là je vois qu'il y a encore un gros bordel de wagonnets. Oh, c'est cool. Qu'est-ce que ça fait ça? On ne sait pas. On va monter dans celui-là. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air pas mal, hein. J'ai l'impression qu'on revient au même endroit. Donc ça, c'est super. Ok. Et celui-là? On va aller où? Ouh, il y a un coffre! Et donc, on va continuer à poser des bombes, évidemment. Hein. On se souvient, le mode Bomberman avec les rats. Hop, voilà. Et avec l'espèce de spike, la référence à Mario, évidemment. Vous l'aurez tous deviné. Enfin, j'espère en tout cas. C'est bon, hop. Allez, meurt. Ensuite, ici, ici. Aïe. Ah oui, c'est vrai que t'as qu'un qui pète. Les autres suivent après. Allez, ça fait ce détail. C'est bon. Oh, joli ça. Et level up pendant que le rat me poursuit. Niveau 19 et... Oh, attaque et défense. Super. Bien. Allez, hop. Même si là, bon, l'attaque, concrètement, ça changera. Oh. D'accord, bah j'ai compris le truc. En fait, il faut aller à droite, à gauche, récupérer les différents rails pour réparer le circuit principal. Ok. Vas-y là, il a fait péter le truc. Et on a obtenu un rail manquant. Très bien. Parfait. Une bombe qui sert à rien. Ok, donc là on a eu le rail, on va retourner du coup directement là-bas. À moins qu'il y ait autre chose à récupérer, je crois pas. Hein. Ça ne pas, non, il n'y a rien du tout. Donc on trace, on va pas s'amuser à tuer tous les ennemis. Hein. Il n'y a pas que ça à faire. Et vous voyez que j'ai 2000 gold. Impressionnant. Donc là, c'est bon. Et... toc, 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 toc. Si je vais dans celui-là. On va où, là? Oula, là, il y a un gros bordel. Ah ouais. Ah. Ok. Alors, en fait, faut repérer où la zone est safe. Donc là, on a vu que faut que j'aille légèrement plus au sud. Vers ici, genre. Voilà. Vers ici, c'est bon. Ah, c'est pas évident, quand même. Hein. Bon, c'est pour ça qu'ils mettent un point de sauvegarde, de toute façon. Hein, vous l'aurez deviné, je pense. Et donc, on obtient encore un rail manquant. Parfait. On récupère surtout l'or en fait, parce que le reste on en a pas besoin. Et on va pouvoir retourner en arrière. Ah mais je me souviens de cette zone, on y était allé avec un des wagons du départ. Et pendant qu'on appelle sur Skype, sur mon téléphone. Ok, sauf que... Moi je ne peux pas répondre. Parce que je n'ai pas que ça à foutre aujourd'hui, je fais des vidéos. Alors est-ce que c'est lui que j'avais pris? Qui m'avait ramené? D'accord, ok. C'était bien lui. Si je prends celui-là. Ça m'a l'air pas mal tout ça, non? Voilà, parfait. What? Oh, c'est quoi ces trucs? Oh.
C'est bon? Non, toujours pas. Ok, parfait. Et donc là, on a un rail qui apparaît. Voilà. Classique, normal, hein, de toute façon. C'est tout à fait normal, quoi. On tue des taupes, donc le rail apparaît. Donc là, c'est le troisième rail que j'ai. Et je parie qu'il m'en manque un, sinon ce serait trop facile. Voilà. Et continuez, continuez. Cette paisible balade dans votre joli wagon. Exactement. Donc on y va. Et par contre, là, le coffre... j'ai pas bien vu d'où ça, ça a amené où. Et pareil, il y a le... Enfin, le... Oui, le fameux coffre, là, qu'on a vu. Je sais pas trop comment l'avoir, en fait. Ok, donc là, j'ai tout. On va prendre ce wagon-là. Je sais pas d'où il mène. Où il mène. Ah, d'accord, c'est le premier qu'on avait pris... Et le, ce que le coffre là qui est en bas. Non mais je pense que c'est plus tard. Hein. On voit qu'il est en bas. Et il n'y a que le, bah, le wagon là qu'on vient de débloquer qui mène en bas. On voit que ça comme explication. Ah bah voilà, ah, et c'était ça en plus. Et on a obtenu quoi de mieux qu'une bombe, plusieurs bombes. Bah je l'ai déjà eu ça, non? Ah oui d'accord, ok. Ouais. Il manque un rail du coup. Putain. Comment on fait? Parce que là j'ai pas la rail. Ah mais vas-y, en plus s'il les explose en instant, ça va être compliqué. Pourquoi c'est que ça reste l'avantage pour les ennemis. Par contre, je comprends pas là pour le rocher qui est en haut là. C'est un peu loin là, non? Ah non, c'est un peu pas très loin justement. C'est qu'il y a beaucoup de vie. En tout cas, c'est marrant, je trouve, le coup du multibomb. Ça devient marrant. Aïe. Mais c'est assez. Voilà, c'est pas sans risque. Là, j'en ai plus. Comment ça marchait. Je crois qu'il allait en réchapper du machin. Ok, je me retrouve encore full vie, donc ça c'est parfait. Oula, ça c'est dangereux pour moi. Voilà. Là j'étais obligé de me faire toucher. Trop marrant ce truc. Voilà un rail manquant pour continuer donc mon pas paisible balade dans mon joli wagon. On prend les golds et l'XP, très important. Les cœurs, on m'en fout parce que je suis fou de toute façon. Et on va pouvoir retourner directement ici. Et là, du coup, là, par contre, je comprends pas bien l'histoire. On va faire ça. Non, ça marche pas.
faudrait une dynamite en fait pour amener ici. Mais il n'y a pas ça ici. Parce que c'est là-haut qu'il y a le... Quel truc. J'ai pas compris là. Parce que je sais qu'il y a le coffre là-haut, mais... Je vois pas comment on l'ouvre en fait le truc. Donc là on est au tout début. Et on arrive à la fin. Et du coup le coffre, ouais, je sais pas. C'est bizarre. Ainsi, vous m'avez suivi jusqu'ici. Ah, c'était une fille. Que croyez-vous pouvoir faire? On va te balancer des bombes dans la gueule. Et vous, que cherchez-vous à faire exactement? Vous me prenez pour qui? Croyez que je vais faire comme ces méchants qui racontent tous leurs plans aux héros? En fait, vous n'avez même pas de plan, c'est ça? Si, nous avons un plan. Mais pas question que je vous le raconte. Dans ce genre de cas, le héros en apprend toujours assez pour contrecarrer le méchant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kuro, mais à mon avis, elle bluffe. En fait, ils n'ont pas de plan. C'est aussi mon avis. Et puisque je vous dis, nous avons un plan. Bon. Alors, je vous en dévoile juste un petit bout. Nous écoutons. Et tâchez d'être convaincante, sinon, considérerons que vous n'avez pas de plan. Je vais faire mon mieux. Alors, notre plan, c'est d'amasser assez d'énergie magique. De cette façon, nous pourrons entrer dans le laboratoire du professeur Giro. Professeur Giro? Celui qui a vécu à l'époque de l'Empereur? Celui qui aurait redécouvert des secrets magiques et construit une arme d'une puissance phénoménale? Vous en savez déjà trop. Beaucoup trop. Pas question que je vous en dise plus. Je vais plutôt vous faire taire. Apparemment, ils ont bien un plan. Ça me dit vraiment rien qui vaille. On va encore jouer à la Bomberman, c'est ça? Mes bombes! Ça me demandait justement où je les avais laissées. Prends-les-moi! Oui. C'est bien naïf. On va lui renvoyer la gueule en fait. On va la toucher. Aïe. Elle est bon, ça fait mal aussi. De toute façon, si je lui dis non, j'imagine qu'elle me les prend de force ou qu'elle a des dents. Continue, bien sûr qu'on va continuer. Ah, du coup, je dois me retaper tout le truc. Oh, c'est génial. Bah, on va dire non, du coup, pour voir un petit peu. Au moins, on récupère encore des golds. Pas évident, ce combat. Mais je pense que j'avais la bonne technique. Ça, c'est vraiment éviter les bombes.
et essayer de la bourriner le plus possible. Bon là elle avait plus beaucoup de vie. Ah oui merde, maintenant j'ai les bons. Ah oui d'accord, elle a déjà plus de vie. Ok. Par contre là j'ai plus de vie donc ça c'est chiant. Non. Pour avoir le choix. Là j'ai bien ce qui me semblait hein. Donc là j'ai plus de vie. Alors là ça va être très chiant. Parce que du coup... Ah là j'aurais pu être chiant. Mais vu que j'ai plus de vie en même temps c'est assez délicat ça. Quoi? Attends, j'étais dans la zone safe. C'est dégueulasse. Oh, c'est trop chiant. Trop chiant là. Ou alors faudrait reprendre le point de sauvegarde. Bah non, de toute façon, je peux pas. Ah, vas-y, quoi. Voilà, là c'est déjà mieux. Regardez, allez, prends-les. Aïe! Là, je suis pas mal. On va prendre ça. Aïe. Aïe, puis je peux me servir aussi du pouvoir pour faire péter les bombes. Ça, ça va être chiant par contre. Là du coup elle va en mettre deux partout. Là c'est merde. Et là je vais crever. Quoi? Mais de où? J'étais derrière le rocher. En tout cas elle était bien énervée là. Ah c'est dommage là, j'étais bien parti. Ah je suis déçu. Je suis déçu quoi. Vraiment. Bon, moi j'ai compris la technique, hein, faut envoyer les bombes dans le sens horizontal. Putain, mais... Chiant à sauter de partout par contre. D'accord, elle se fait toucher par ses propres bombes en plus. Plus de vie.
plus elle a remis son bouclier mais pile quand il fallait pas quoi. Voilà, elle va s'énerver. Ah, vas-y, quoi. C'est chaud quand elle met ses rangées, parce que du coup, pour l'atteindre... Wow. Voilà, quoi. Autant, là, je trouve que j'ai plutôt bien esquivé ces trucs, mais... À la longue, ça devient tendux. Oh, faudrait que je fasse plus l'attaque spéciale pour justement faire péter les bombes. Ah, et ça aussi. Abruti. Ah bah là c'était pitoyable. Bon, du coup il y aura des ellipses si, si je foire encore. Ah vraiment, faut lui faire péter son bouclier dans la mesure du possible. Au pire, ça, comme ça, il peut protéger des bombes. D'accord, je l'ai plus mis. Donc, ellipse. Ah d'accord. Thank you.
Oh yes. Ouh. Pas évident, hein. Putain, j'y ai passé, là. J'ai dû faire au moins 15 travails dessus. Oh. Ah bah là, il y a... Y a quoi, là? Il y a un quart d'heure d'ellipse, je crois, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, pas évident, hein. Du coup, je vous mettrai le dernier essai, évidemment. Je vois mieux comment tu as pu vaincre, chérie. Et je comprends aussi ce qu'elle désirait, à l'instant de sa mort. Ah, désirait quoi? Ces derniers mots? Chérie, elle voulait empêcher votre chef de provoquer cette catastrophe. Oui. C'est ce que nous aurions dû faire depuis le début. Empêcher cette folie. Renoncer à cette vengeance qui ne fera que perpétuer le cycle de la violence. Mais qui sommes-nous pour décider de cela? C'est notre devoir de lui obéir. Je pense que personne ne devrait obéir à qui que ce soit. Nous sommes tous des êtres doués de libre arbitre. Pourquoi laisser qui que ce soit décider à notre place? Ce n'est pas ce que l'on m'a appris. Peut-être que si j'avais été plus forte... Mais vous, vous devriez pouvoir l'arrêter. Promettez-moi juste de ne pas lui faire de mal. Promettez, pardon. Il a tant souffert en toutes ces années. On l'arrêtera avec ton aide. C'est trop tard. Je suis désolé de ne pouvoir rien faire. Plus personne ne bouge. Plus personne ne bouge. Hein? C'est qui ça? Ah bah... Le FBI. Mais où sont-ils? Derrière nous! Encore une embuscade! Cette fois, ne s'échapperont pas! Nous les capturerons car nous sommes. Les forces spéciales de l'Empire! Rendez-vous! Vous êtes cernés! Techniquement, nous ne les cernons pas vraiment. Ils pourraient très bien courir vers la droite et nous échapper. Ne leur donne pas des idées! Silence! Je suis en train de procéder à une interpellation, et dans ce cas, il faut obligatoirement annoncer aux malfrats qu'ils sont cernés. Je disais donc... Rendez-vous, vous êtes cernés! Oula! Ils ont bougé ou c'est moi? Il me semble, mais je n'en suis pas certain. Pourtant, chef, j'ai bien demandé à ce que personne ne bouge. Chef, ils ont disparu. Comment est-ce possible? Pourtant, nous les avons presque pas quittés des yeux. Nous devons les poursuivre. Ils ont une mission importante. Je ne vous laisserai pas les arrêter. Sacrifié pour nous. C'était vraiment courageux. Nous devons arrêter ce type. Allons voir du côté du laboratoire du professeur Giraud. Je me suis toujours demandé s'il y avait un moyen d'y entrer. Ah bah justement, voilà, la fameuse porte que je disais. Par contre, du coup, au niveau du timer, je sais pas trop où on en est, parce que moi j'ai 45 minutes. Mais si je m'arrête là, on n'aurait pas fait grand-chose. Vous savez quoi, ce sera peut-être un épisode un peu plus court. De toute façon, je verrai bien au niveau du montage. On y va. On verra bien au niveau du montage ce qu'il en sera. En tout cas, moi, je vais juste, voilà, je vais juste aller sur la world map pour m'arrêter directement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, pour moi, il aura été assez compliqué quand même, hein, là, au niveau du boss. J'avais du mal à esquiver justement ces bombes. Puis là, le fait qu'à un moment je me suis énervé, bah, vous l'aurez pas au montage, je me suis énervé parce que il arrêtait pas de me sauter dessus et de me faire des dégâts malgré que j'arrivais à esquiver ces bombes, et du coup c'était assez énervant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, et moi je vous retrouve dans un prochain épisode. Allez, bye bye.